Bonjour, c'est Marie-Lise et Sébastien. Bonjour. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler de ce qui a été pour nous une révélation. C'est qu'écouter son cœur, c'est bon pour le business et on va vous expliquer tout ça. Waouh. En attendant, on vous invite à télécharger notre petit cadeau dans la description de cette vidéo. Alors nous, quand on a lancé Lumeris, c'est ce qu'on constate aussi auprès des dirigeants, des entrepreneurs qui lancent leur projet, qui lancent leur business, c'est que pour être rassuré, on a un peu tendance à prendre les avis de ci, de là, à écouter ce que les uns et les autres ont à dire. Et à notre sens, ce n'est pas, bien sûr, on a besoin des encouragements, hein, on a besoin des encouragements de notre entourage, de nos cercles proches. Mais au final, on arrive à cette conclusion que ce n'est pas forcément un cadeau que l'on nous fait. Et nous, on gagne à ne pas écouter tant que ça les avis des uns et des autres parce qu'au final, chacun projette ses envies, projette ses peurs, projette ses limites, projette ses angoisses. Et c'est très, très bloquant d'écouter trop d'avis quand on est en lancement de projet. Et finalement, moi, je me rends compte que même dans mon expérience, les premières entreprises que j'ai loupées, c'est des entreprises où finalement je cherchais à être rassuré par les autres de projets dans lesquels je croyais plus ou moins moi-même. Donc au final, il ne faut pas demander aux autres ce que nous-mêmes déjà on n'est pas capable de faire, premier point. Deuxièmement, il faut comprendre que vous êtes clair à peu près sur votre projet dans votre tête, mais les autres ne sont pas dans votre tête. Donc vous dites, bah, c'est comme quand vous conduisez finalement, quand vous conduisez, vous savez que vous allez freiner, vous voyez les voitures qui se rapprochent. Vous savez ce que vous allez faire, mais celui qui est à droite, qui est à côté de vous, il ne sait pas ce que vous allez faire. Donc du coup, il n'est pas aux manettes, donc il a plus peur. Et bien, c'est pareil dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que votre famille, vos proches, même les d'autres businessmen qui ne sont pas dans votre secteur, qui n'ont pas compris quelle dimension vous voulez donner au projet, ils peuvent vous projeter leur propre peur. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est que ne jamais demander l'approbation. On peut faire challenger son projet en sachant qu'on va le lancer. La question, ce n'est pas est-ce que je vais lancer mon projet ou est-ce que je ne vais pas le lancer. La question, c'est je le lance. Maintenant, si j'ai des bons conseils à prendre, je les prends. Mais la question, c'est pas de me dire est-ce que je lance, d'accord? Je lance. Après, quand est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas encore. Comment je vais réussir? Je ne sais pas encore. Mais ne pas chercher l'approbation. L'approbation, elle est à l'intérieur de vous. Et ce qui est important, c'est de vraiment prendre ce temps d'écouter son cœur. Alors, ça veut dire quoi écouter son cœur? Ça veut dire que on a au fond de nous, de façon certaine, ce qu'on a envie d'accomplir. Et parfois, on est un peu trop pressé d'avancer et on ne prend pas ce temps de se dire qu'est-ce que j'ai envie de vraiment accomplir? Quelles traces j'ai envie de laisser? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Et ce temps-là, qui est un temps un peu de repli sur soi ou un temps plus méditatif, peut-être on pourrait dire ça comme ça, c'est un temps qui, à nos yeux, est essentiel parce que si on n'écoute pas notre cœur, si on n'écoute pas ce que l'on a au plus profond de nous, on risque au premier coup de vent d'être emporté par la tempête et on n'aura pas ces racines assez solides qui auraient été patiemment construites. Et ces racines solides, finalement, elles se construisent par une envie profonde de quelque chose à accomplir. Donc, on aurait envie de vous dire, et nous, au début, on n'a peut-être pas pris assez ce temps d'écouter ce qu'on avait au fond de notre cœur et on s'est laissé embarquer par les avis des uns, des autres, blablabla. Et comme on voit que ce phénomène se reproduit, nous on voulait partager avec vous cela. Prenez le temps d'écouter ce que votre cœur a à vous dire, ce que vous avez au fond de vos tripes. Et il se trouve que quand on lance une entreprise, et nous on a vécu ça, on ne sait jamais quel chemin va être plus porteur de réussite qu'un autre. Donc, la question, c'est pas encore une fois d'interroger le marché en disant « mais tiens, tu penses que… » Parce que à partir du moment, quelque part, où on essaye d'imiter le succès des autres, il est déjà trop tard parce que les autres sont déjà passés, ils ont déjà ramassé 80% du trésor. Donc, l'important, c'est qu'il faut recréer de nouveaux chemins, souvent sur de nouveaux paradigmes ou déporter des concepts sur d'autres sphères, sur d'autres dimensions. Et donc, ce qui est important, c'est que vous fassiez votre propre expertise. Nous, on a entendu tellement de choses. Facebook, ça ne marche pas. Google, c'est pas rentable, machin. Mais ça ne veut rien dire tout ça. Parce que peut-être la personne l'a mal exécuté. Peut-être que la personne l'a fait dans un secteur qui ne marche pas alors que vous, ça va marcher. Peut-être que le business model n'est pas le bon. Peut-être que le moment où elle l'a fait, la saison n'était pas la bonne.
peut-être que elle n'avait pas eu la bonne approche en communication et que le produit était mauvais. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez réussir, il faut écouter son cœur partout. Écouter son cœur quand on démarre son entreprise pour son projet, mais écouter son cœur aussi sur ce qu'on a envie de tester, ne pas se laisser influencer. Écouter bien sûr, parce que les anciens ont toujours de bons conseils, mais si vous avez envie de tester, testez des choses. Regardez ce qui se passe, retestez les choses, regardez ce qui se passe. N'abandonnez pas si facilement, parce que si vous avez l'intuition que, allez-y, et c'est peut-être comme ça que vous allez découvrir de nouveaux sujets. Quand on voit Steve Jobs, personne ne lui a dit va faire un iPhone qui fait de la vidéo, de la photo. Tout le monde disait mais attends, les gens ils veulent vraiment un téléphone, ils veulent pas tout ça. Et au final, lui il a eu l'intuition que la photo c'était important, il a eu l'intuition qu'on pouvait pas avoir 15 objets sur soi, que c'était chiant, et sûrement que lui a expérimenté ça, et s'est dit bah on y va, il y a cru. Et à un moment donné, voilà, on a tous un téléphone qui fait de la photo aujourd'hui. Et donc, écouter son cœur, c'est se faire sa propre expérience, parce que l'histoire des autres reste l'histoire des autres. Et à un moment donné, ce qui fait qu'on rencontre le succès, c'est qu'on aura suffisamment pris ce temps d'écouter son cœur et qu'on saura exprimer ce que l'on a au fond de nous-mêmes, quelque chose de concret qui rencontrera son marché. Donc, ne faites pas l'impasse, hein, peut-être pour conclure, alors peut-être que Seb aura encore des choses à rajouter, comme d'hab, on ne sait pas. Mais écoutez votre cœur, laissez la place à vos émotions et c'est comme ça que vous réussirez à trouver une place unique sur votre marché en bougeant les lignes, en écoutant un peu mais pas trop ce que votre entourage a à vous dire et vraiment laissez parler votre intuition. Voilà ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui. Ça avait un truc à rajouter? Peut-être. J'ai une idée qui m'est venue en passant. Je me dis, votre compagnon ou votre compagne, ils vous ont choisi parce que, a priori, vous étiez unique. Je ne pense pas que c'est parce que vous ressembliez à George Clooney. Pour ça, on peut acheter la Nespresso et ça marche pas mal. On a un bout de George Clooney à la maison. Donc, je pense qu'on vous a choisi parce que vous étiez unique. Donc, n'essayez pas de copier dans votre projet. Essayez vraiment d'avoir un projet unique. Et c'est bien pour ça qu'on va prendre votre service, qu'on va vous prendre vous, qu'on va vous prendre vos produits. C'est parce qu'ils sont uniques. Si vous faites la même chose que tout le monde, pourquoi irait-on chez vous? Donc, soyez unique et vous êtes unique si vous êtes plongé dans votre légende, votre cœur, vos émotions, votre vibration. Donc, n'ayez pas peur d'être différent. Nous non plus, on n'a pas peur d'ailleurs. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter aussi. Je ne sais pas quelle place vous donnez, vous, à votre cœur, à vos émotions dans votre projet entrepreneurial ou dans vos projets tout court. Donc, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez également recevoir notre newsletter, ben rendez-vous sur notre site lumeris.com. Et puis surtout, si vous voulez ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne. Voilà, on vous dit à très vite. On a été très heureux de partager ce moment avec vous et à bientôt. À bientôt.